Se pa, m pa kwe ki prezident Jovenel Moïse apre lèr demokratik, m lè pale apre konstitisyon 29 mars 1987 la, se pomi prezident ki trouve lè nan si situasyon sa. Da mande pou nou fè yon historik de sa ki ap pase jodi ya. Wap pale a pati de 13 janvye. Mwen konen te menm jan an 2015, le premier ministre Paul avèk prezident Michel Martelly te dirije pandan 13 mwa. E mwen kwa ke tout moun te wè pou mwen pe ya te dirije. Sou prezident wè wè ne preval, mwen preval e prezident preval 1, li te rive deja nan pe ya, men tout moun te wè pou mwen sa te passe. Sa ki important, le on va conserver nou menm se serenite nou pou nou gade, mwen nan kapam jodi. Se pa dirije pa dekret ou pa, dirije yon peyi se kontinye. Se ve di nou menm nap toujou la pou nou, paske peyi a pa ka kampe tan person, nap toujou la pou nou kontinye dirije peyi. Men nou va gant ken velite pou di ke nou va l'utilize mouman sa, nou ven de bagaj gen de lejon fè, swa kont moun, ou bien swa pou moun, pou nou profite de li pou nou fèl. Non. Elle dit ça qui est important aujourd'hui pour nous, c'est de trouver entre les forces vives de la nation. Et en tant que, j'aime toujours dire, et nous toujours sur la même position pour nous donner un accord politique, qui est amené nous vers un gouvernement d'union nationale. Et ce gouvernement, qui est capable de permettre nous faire les vraies réformes avec une feuille de route claire, cet accord politique, qui permet de nous faire les vraies réformes que le pays a besoin, qui réformerait. Nous voulons parler des réformes au niveau de la Constitution, des réformes au niveau de l'administration publique, et pour aller vers des élections apaisées. Et pour que mandat et élu nous renouvelons. Parce qu'en fait, le législatif qui finit comme la 50e législature, ça qui est le plus important pour un président, et moi c'est le plus important pour moi, c'est ouais, comment pour nous, rapidement, organiser des élections dans le pays, pour nous capables de gagner des élus, des mondes qui viennent dans le Parlement, pour nous, un Parlement qui fonctionne. Je voudrais très bon jour que moi-même, mon Dieu, position de l'unité entière, que le pays a, nous avons une crise, et cette crise elle est permanente, il faut nous arriver dans le carrefour, côté de la crise, ça, il faut nous arrêter là. Et crise là, c'est l'équipe de nous, ça nous la donne là, 1987 à aujourd'hui, ça fait 33 ans, mais ça fait nous, presque 15 présidents, sous 33 ans, ça veut dire en moyenne chaque 2 ans et 3 mois, nous avons un président dans le pays. Ça veut dire, ça n'a pas qu'à continuer comme ça. C'est pour nous dire que je dis bien, c'est pour ça que nous, force vive nation, moi-même, je viens, c'est mon chef d'État. L'État irresponsable de moi, parce que vous ne pouvez pas arrêter, qui est bé sous même lancer ça. Il dit qu'il faut dialoguer, il faut chita pas ensemble, pour nous joindre en forme, un bon accord politique, pour nous même qu'à garder l'autre dans les yeux, un accord politique correct, sans démon pas chercher. De là, qui tout petit a pour nous chercher pour nous couvrir, pas nous avec lui. Mais un accord politique, côté tout, je veux parler d'un accord inclusif, côté intérêt peuple là, c'est pas intérêt président Jovenel Moïse, c'est pas intérêt l'autre monde qui est en politique, mais c'est l'intérêt du peuple haïtien. Il t'a respecté. Parce que tout ça qui est important aujourd'hui, on te dit, pour le 1er janvier, on connaît que peut-être il était en discours, un chef d'État qui a critiqué l'État, qui dit que l'État c'est l'État prédateur. Et c'est l'État ça que moi-même m'a dit aujourd'hui. Et bien, il faut nous travailler pour changer l'État, pour nous transformer l'État ça, en l'État serviteur qui pour qu'à construire une nation. Parce que, en nation, on construit, c'est le tout le monde, ensemble, quel que soit côté de ce territoire-là, ou capable, les droits sociaux et les droits économiques, mon yoga juste de droits à eux. Et c'est pour ça que moi-même, je dis, avant de dire, seuls les gens pour ça fait, pour nous comprendre, pour nous donner un accord politique dans le pays, pour nous mettre un bémol dans la bataille, ça, dans l'île fratricide, ça, dans le gros frère, ça, pour nous capables de donner un accord politique. Et cet accord politique, pour donner un gouvernement d'union nationale, et de ce gouvernement, réforme nous pour nous faire, pour nous faire, pour nous faire de bonnes élections dans le pays, pour nous renouveler personnel politique. Parce que à partir du 13 janvier, on est clair là-dessus, le pays va amputer de cette trois du feu. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, pour Roche peuple là, ça veut dire manger à bien vite. Il faut nous rapidement remettre Roche là pour que pour nous ayons trois Roche qui va permettre au pays à respecter l'ère démocratique que l'on connaît depuis 1987.
Concernant l'accord politique, ça, donc on est très engagé dans le cadre des dialogues, rencontrer des personnalités, des secteurs, pour que j'aille rapidement cacher une solution. Et à crise là, est-ce que vous êtes en deadline en ce qui concerne la mise en place du prochain gouvernement? Moi-même, Abdoulé, et c'est soit un corps politique que m'a prêché depuis le au Parlement en septembre, je crois c'est 23 septembre 2019, lorsque moi ouais que ça s'est passé dans le Parlement. Tout le monde était c'est un bail qui était un non-personne d'un bail au Sénat de la République. C'était un bail très grave. Maintenant, j'ai dit, bon, il n'y a pas qu'à souffrir plus que ça. Encore de politique. C'est pour nous dire comment, depuis qu'il a moi-même, je suis arrivé pour jouer un accord politique et jouer un gouvernement, ça fait 5 mois. Et dit là, nous parlons de septembre, là, nous en janvier. Mais, pour nous dire, négociation politique, pas jamais facile. Je ne pas qu'à dire aujourd'hui, mal quand peut nous dire, nous, quand même, les choses parlent avec la voix de la vérité, là, pour nous dire que nous ne pas jouer un accord pour le politique 14 janvier. Non, c'est moi qui travaille pour créer acteurs, et même si c'est Wall comme ça, comme le capitaine qui est le gouverneur là, pour nous dire chaque jour, même toujours dire, il faut que nous fassions ensemble pour nous joindre à quoi ça, pour nous faire gouvernement ça que nous besoin. Est-ce que nous attendons pour nous passer tout le reste mandat dans ça? Non. C'est que moi, je pense que les acteurs ont prise de conscience que pour tout le monde pour nous comprendre que le peuple ça, si mal dans l'élection, le peuple a bon pouvoir, le bon pouvoir pour ça, pour nous servir. Ou même qui décide de faire politique dans le pays aujourd'hui, ou qui soit fait politique, ou fait politique pour prendre pouvoir un jour. Ça veut dire soit fait politique pour prendre pouvoir, ou là tout, pour servir le peuple, pour commencer à montrer ça qu'on veut pour mon boulot. Et moi-même, moi, je pense que servir le peuple là, c'est ça aujourd'hui que nous tous, qui sommes des acteurs concernés, acteurs qui ont une force vive nationale, je vais parler d'acteurs qui ont une force sociale, force économique et politique, pour nous mettre ensemble, tant qu'on parle à quoi. Oui, c'est pour nous capables de jouer un accord dans le temps record. Je ne vais pas le dire le 20 janvier, je ne vais pas le dire c'est le 18 janvier, je ne vais pas le dire c'est fin janvier, mais c'est pour nous mettre tête ensemble. Et le Soudan nous dit ça, ah, président, dit c'était tel accord. Non, c'est pour nous mettre tête ensemble le plus vite que possible, donc à libérer le pays. Moi-même, je pense ça, balle. Okay. Concernant le dossier Petro-Caribe, Monsieur le Président, il y a plein de monde qui estime que le monde qui est indexé dans le cadre du procès et procès à trop lent, est-ce que vous avez garanti que vous pouvez faire plus d'efforts pour aider le procès à aller beaucoup plus rapide? Comme dit, que premièrement, pour préparer ici, public, en général, quand vous avez gardé la caméra, pour comprendre que le président, il joue au niveau de on instance internationale, qu'elle me demande que tout le monde était au téléphone. Scandale, elle me parle de l'OEA. Non, je ne me parle pas de l'OEA pour venir faire procès avec l'OEA. Non, je me demande support à l'institution qui a lutté contre la corruption que nous joignons. Et une fois que son programme sur 4 ans, qui a parlé au-delà de mandat par mois, 18 millions de dollars qui nous permettent de nous renforcer l'institution qui a lutté contre la corruption. Deuxièmement, dossier à l'inamé la justice. Ça veut dire. Moi-même, moi, c'est exécutif, je suis le chef de l'exécutif. Ça veut dire, le dossier à l'énorme, la justice, ça nous-mêmes, nous avons fait, demander au ministre de la justice, et c'est ça que je fais, pour demander un rapport régulier sur comment le dossier a marché. Son dossier qui a instruit que juge qui sous dossier à l'énorme, que l'attendait, dossier à l'énorme, continue à suivre pour lui, et ceci, nous-mêmes, nous disons, au moment opportun, rien par nous, c'est pour nous faire préparer ici, vérité, pour qu'on ait vrai coupable bien dans le dossier ça, pour personne ne va utiliser le dossier ça, pour faire chasse aux sorcières avec persécution politique. Parce que, en fait, un dossier qui est important comme ça, côté comme peuple a dépensé, c'est pour lui-même qu'on connaît du côté l'argent n'a pas assez. Et c'est pas seul dossier ça, il a parlé de lutte contre la corruption, bien dit. Il y a plusieurs dossiers encore, pour permettre que aujourd'hui, nous-mêmes, les suspendre cette histoire d'un groupe pour nous comprendre qu'on a capturé l'État, quel que soit mon ouvrier, pour aussi mon qui a peur dans l'État, pour aussi mon qui est dans le secteur privé, pour aussi mon qui est dans la société civile, mais l'État, pour nous libérer. Et pour nous libérer, son seul gens, c'est leur nous permettre l'argent là, faire bien pour le peuple là. Et pour le faire bien pour le peuple là, son seul gens, c'est leur bien dépenser, et le peuple à joindre, ça qui est pour lui, là-dedans. Nous permettons de faire une interview à M. le Président, et est-ce que vous avez un message ou vous avez fait passer?
Bon, je profite de l'occasion pour me dire que les Haïtiens sont commémorations plus difficiles. On a commémoré le 10e anniversaire de la plus grosse catastrophe. On va dire plus grosse catastrophe naturelle que tu as pas jamais connue. Mais déjà, ça m'a dit chaque Haïtien qui a regardé le temps là, journée de main, journée de réflexion. Son journée pour nous comprendre. Même j'en ai eu élan solidarité ça. Moi, songe le 12 janvier, moi qui arrive pour Port-au-Prince, même le 13, j'ai quitté Port-au-Prince, la carrière à 2h du matin, je suis venu aider. Moi, j'ai entré pour Port-au-Prince, j'ai fait 3 jours, et puis j'ai fait 11 mois. Je dis, c'est pour nous dire que, comment, la carrière est grave. Tout le monde doit vivre une lutte, mais c'est même que la vie est là. Avec même élan ça, même des nouveaux disons, la crise ça que tu as traversé là, même j'ai moi-même décidé que acteurs qui concernés, moi-même moi, de nous tous, pour nous capables de mettre ensemble, pour nous capables de crise ça aujourd'hui, nous avons converti là une opportunité pour nous capables de mettre le pays sur votre développement, sur votre changement, tout le bon voyage, pour que le bon lot qui est en détail, si ça t'arrive, tu peux faire le pays, pour les gens, construction la tête d'un pays. Pour nous changer ça, nos programmes réels pour nous faire ensemble sur un plan de développement sur 20 à 25 ans. Merci. Moi, c'est Yves Manuel, reporter à la Voix de l'Amérique. Nous avons parlé avec le président Jovenel Moïse depuis Palais National. Président Jovenel Moïse, nous vous remercie. Merci.